Saint-Valentin oblige, nous allons parler aujourd'hui de ce symbole ô combien facile à dessiner et utilisé à tout va pour exprimer son amour. Il est temps d'aller au cœur de notre sujet. Le cœur fascine depuis toujours, et c'est bien normal. C'est quand même le seul organe que l'on peut entendre à chaque instant pour savoir si l'on est vivant. Le cœur, c'est donc d'abord le symbole de l'énergie vitale essentielle à chaque être vivant, en dehors des végétaux. Les peuples mésoaméricains l'avaient compris, et c'est pour cette raison qu'il était souvent offert aux dieux pour leur assurer une force et une énergie magique. C'est notamment le cas des Aztèques, dont la notion du sacrifice était essentielle dans leur religion. En effet, dans leur cosmogonie, leur explication de la création du monde s'articulait autour du sacrifice des dieux pour le fonctionnement de l'univers. Ainsi, dans le mythe de la création du soleil et de la lune, les dieux Nanahuatzin et Techitecalt se sacrifient pour renaître sous la forme de ces deux astres. Par la suite, le sacrifice des autres dieux sont nécessaires pour que les astres se meuvent dans le ciel. Le sacrifice du cœur chez les humains devient alors pour les Aztèques une nécessité pour que le monde puisse vivre. Le cœur est alors à la fois une énergie vitale individuelle, mais aussi une énergie universelle qui relie l'humain au monde qui l'entoure. Propre à chacun, le cœur revêt également la symbolique de l'âme. Cette idée nous vient de l'Égypte ancienne. Sous sa représentation hiéroglyphique, il est représenté sous la forme d'un vase qui contient la mémoire est le centre de la personnalité de l'individu. C'est également valable pour les dieux. Ptah conçut ainsi l'univers dans son cœur, puis exprima ses pensées avec sa langue pour en faire une réalité. L'organe recèle donc la vérité nue, et c'est ce qu'est réellement l'individu au plus profond de son être. C'est pourquoi on retrouve le cœur dans le livre des morts lors du fameux jugement post-mortem de l'individu. Avant que le défunt ne soit autorisé à entrer dans l'au-delà, il était jugé devant Osiris. Son cœur était pesé avec comme contrepoids la plume de Mat, la déesse de la vérité et de la justice. S'il était plus lourd ou avait le même poids, il n'était pas en harmonie avec la déesse et était jeté en pâture à une créature microcodile, mi-hippopotame. S'il pesait le même poids que la plume, le défunt était déclaré juste de voix et se voyait accorder l'immortalité. C'est pour cette raison que le cœur était le seul organe laissé en place lors de la momification du défunt, afin que ce dernier puisse être jugé dans l'au-delà. Bon, vous allez me dire que je suis bien gentil avec mes Aztèques et mes Égyptiens, mais que tout ça ne nous dit pas pourquoi on en est venu à cette représentation schématique du cœur. Oui, parce qu'un cœur en vrai, ça ne ressemble pas vraiment à ça. Ce n'est pas aussi symétrique. À l'origine, on retrouve ce dessin représenté sur les vases grecs. Mais ça n'a absolument rien à voir avec un cœur. En fait, il s'agit d'une représentation d'une feuille de lierre, élément végétal rattaché à Dionysos. Ce qui est assez logique pour de la vaisselle servant essentiellement à picoler lors des symposiums. Non, il faut attendre le Moyen-Âge pour voir apparaître cette représentation du cœur, et plus précisément sur un manuscrit français du XIIIe siècle intitulé « Le roman de la poire ». On voit une femme offrir un truc en forme de poire à un homme pour signifier son amour. Cet écrit est influencé par un autre récit médiéval, dont on parle trop peu, appelé le roman de la rose. À ne pas confondre avec le livre d'Umberto Eco, Le nom de la rose. Dans le roman de la rose, on parle d'amour et de sensualité à l'aide d'allégories. On est en plein dans l'amour courtois. L'iconographie du cœur accompagne donc cette idéologie qui est à l'origine de l'amour romantique. Le cœur évolue ensuite, 100 ans plus tard, dans sa représentation avec le roman d'Alexandre, qui raconte les légendes liées aux conquêtes d'Alexandre le Grand. En bas d'une page, on y voit alors une femme tenant un cœur symétrique avec deux lobes clairement définis. Elle l'a reçu de l'homme qui se trouve en face d'elle. Elle accepte ce cadeau alors qu'il touche sa poitrine, signe de son origine. On est donc passé d'une poire à un symbole symétrique et harmonieux, représentant un peu mieux les nobles sentiments des amoureux. Bon, on peut aussi y voir une forme un peu plus coquine, avec les arrondis et les angles, suggérant la poitrine, les fesses ou encore le sexe féminin.
C'est d'une manière moins sensuelle que Luther, le créateur de l'Église réformée, va utiliser le cœur comme symbole de sa foi et de sa dévotion. Il représente en effet notre organe dans son sceau pour authentifier ses textes. Au centre d'une rose, le cœur rouge, surmonté d'une croix, symbolise le cœur de tous les chrétiens. Les catholiques reprendront par la suite ce symbole dans leur contre-réforme. Le cœur blessé, mais néanmoins rayonnant du Christ, ceint d'une couronne d'épines, représentant la transformation de l'amour et du sacrifice du Christ en les éléments de l'Eucharistie. Notre représentation du cœur va ensuite se répandre dans la peinture, le théâtre, les jeux de cartes et même les bijoux. D'ailleurs, il existe un bijou irlandais célèbre nommé la bague de Cladach. Une légende raconte l'origine de cette bague. L'histoire se situerait au cours du XVIIIe siècle. À cette époque, nombreux sont les spéculateurs et autres pirates à débarquer dans les villages pour piller, voler et capturer des Irlandais destinés à devenir des esclaves. Dans l'ouest de l'île, non loin de Galway, se trouvait alors un petit bourg de pêcheurs nommé Cladach. La vie est paisible et tranquille, jusqu'au jour où l'un de ses habitants, du nom de Richard Joyce, est enlevé la veille de son mariage. Très malheureux d'être séparé de sa fiancée, Richard est emmené malgré lui jusqu'en Turquie, où il est vendu comme esclave à un orfèvre turc. Dès lors, Joyce doit aider son maître à confectionner des bijoux. Il est alors formé et travaille durement à la tâche pour tenter d'oublier sa bien-aimée. Au fil du temps, il devient maître orfèvre, et en hommage à son amour pour celle qu'il a laissée sur son île, il crée un bijou, un anneau symbolisant l'union, orné d'un cœur couronné. Sensible à la tristesse de Richard, et en récompense de la qualité de son travail, son maître l'aurait affranchi et laissé rejoindre ses terres. Une fois dans son village, il aurait retrouvé celle qui allait enfin être sa femme. C'est sur cette belle histoire que notre épisode sur le cœur se termine. Ce qu'il faut retenir sur son essence symbolique, c'est que le cœur est le point de contact pour des liens de haine ou d'amour, ou généralement de passion. En tout cas, j'espère que vous avez pris cet épisode à cœur et que vous allez vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas non plus à donner du cœur à l'ouvrage en partageant ma vidéo, en la commentant ou en la likant. À très vite pour découvrir de nouveaux symboles sur Histoire de Symboles.